En plein cœur de la médina de Marrakech, à la vallée de l'Ourika, où se trouve très haut suspendu ce nouvel écomusée berbère, la jonction a pour prétexte original ces étonnants voyageurs et photographes qui ont, eux aussi, au siècle dernier, succombé au charme inhérent à la culture amazir. Et pour cause. Les berbères marocains, ils ont une culture géniale, qu'il faut qu'on garde cette culture. L'exacte vocation de ce musée inauguré en 2009 et qui raconte tous ses us et coutumes tissés au fil des siècles, à l'image de ces tapis berbères qui ont toujours tant à raconter. Chaque tapis berbère il présente une histoire magnifique qui raconte le monde berbère et la vie quotidienne berbère. Par exemple, si on va expliquer un tapis, comme on voit à côté de nous ici, il y a un tapis et qui plein de symboles, le losange, qui ça signifie tapis féminin, parce que le losange, ça signifie une femme. Si on trouve un rond à l'intérieur de le losange, c'est femme enceinte. Si on parle du deuxième tapis là, par la couleur rouge, qui ça signifie la fécondité, la virginité, on peut dire c'est tapis féminin. Parce que la couleur rouge, ça signifie que la fécondité, la virginité, c'est la couleur de la femme. La couleur jaune, c'est la couleur de l'homme. Par exemple, au Maroc, on connaît les babouches. Les babouches jaunes, c'est pour l'homme. Les babouches rouges, pour la femme. Visiter l'écomusée berbère de l'Ourika, qui se trouve à près de 40 km de Marrakech, c'est aussi l'occasion de faire une véritable pause dans ce décor de Casbah aussi verdoyante et vivifiante que l'accueil qui, de tradition, vous sera réservé. Voilà, un musée à visiter, c'est à l'Ourika. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Imane Aglou. Excellente soirée et à bientôt.